Bonjour à tous, c'est parti pour la ronde 6. J'ai euh, blancs d'après-midi. À nouveau impossible de préparer euh, très longuement. Toujours un petit café, téléphone à la main, on cherche une idée que jouer dans cette ronde 6 avec l'obligation d'essayer de gagner. Je suis opposé à Alexandre Pija, il me semble qu'il avait été champion de France chez les jeunes, si j'y pas bêtise. Quelqu'un que j'aime bien. Euh, je ne le connais pas très bien, hein, il a peut-être... Euh... 24 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Et, euh, mais euh, je sais pas, quel, quelqu'un que j'apprécie bien. Euh, c'est un bon joueur, il comprend bien les échecs, il était presque 2400. Je crois qu'il m'a dit euh, d'ailleurs euh, qu'il avait fait une norme là, récemment. Donc euh, un joueur qui a, qui a un beau style de jeu que j'aime bien. Euh, je décide de jouer D4. Il me fait aussi, c'est un joueur de française. S'il y avait eu du temps, <laughs> ma préparation aurait certainement tourné vers une française. Malheureusement, pas trop de temps. Je décide de jouer. Euh, je décide sur l'échiquier de jouer euh, quelque chose. Et ici, je réfléchis. Je réfléchis parce que je sais qu'il joue aussi des slaves par le passé. Euh, il me joue cavalier F6-6. Et euh, j'avais pas trop envie de jouer un Gambidam ou une Catalane ou quoi. Je réfléchis. Je réfléchis. Et, et je vais faire la même erreur que dans l'autre partie. Je crois que dans la ronde 4, ça qui est dingue. Mais je vais prendre trop de temps dans l'ouverture. Je vais jouer C3. Je me décide d'aller vers une attaque euh, Toré. Euh, D5, fou G5. Je crois qu'il me dira à l'analyse que bon, ça, ça l'embêtait un peu, ces systèmes. Mais bon, bon il l'a bien joué, je pense. Il a fait fou E7. Peut-être un peu trop solide, mais il l'a bien joué. J'ai joué E3. Il a fait petit rock. KD2. Et il m'a fait B6. Et dans cette position, je commence à réfléchir et je me dis est-ce que tu peux pas jouer cavalier au 5 Est-ce que tu peux pas faire quoi que ce soit Parce qu'en fait, l'idée c'est que je voulais jouer fou d 3 de base, mais il va me jouer fou à 6. On le sent bien vu comment il l'a joué, qu'il veut jouer fou à 6 mais changer. Je réfléchis est-ce que je peux jouer cavalier au 5 Alors j'ai quand même joué fou d 3, donc je le mets. Mais j'ai dit est-ce que je peux jouer cavalier au 5 Mais je voyais pas quoi faire contre KD7. Je regardais si je pouvais faire des H4, je regardais si je pouvais prendre F4, mais je voyais rien qui me plaisait. J'ai cherché, cherché, cherché. Je regardais après Fou D3, Fou A6, si je pouvais jouer Fou B1. C'était embêtant. Je ne je, je trouvais pas. Après, je me dis, s'il si veut jouer Fou B7 ou Fou A6, peut-être fait H3 ou A4. Et euh, bon, au bout d'un moment, trop réfléchi. Je joue Fou D3 quand même. Il fait fou à 6 et j'avais opté pour cette idée-là. Fou prend, cavalier prend. Et pareil, j'ai passé du temps à essayer de comprendre. Euh, Est-ce que je dois jouer KE5 Mais KE5, KB8. Et il va revenir en, E7, en D7. Et je ne trouvais pas, je ne trouvais pas, je ne trouvais pas. Bon, il s'avère qu'après, j'ai vu qu'il y avait une idée. Que je n'ai pas trouvée, bien sûr. Euh, je finis par jouer euh, Dame 2. KB8. Et là, pareil, je passe un temps fou. Euh, euh, Est-ce que je joue k 5 Est-ce que je joue E4 J'avais l'impression que E4 ça menait à des égalités. Euh, en vrai, j'avais l'impression que, que ce genre de position euh, ça menait à l'égalité. Alors il y a la tour en prise s'il prend, donc il fait KD7. J'ai pas réussi à trouver une façon d'empêcher les C5, tout ça. Il, ou bien il fallait jouer grand rock. Alors peut-être que c'était le jour pour envoyer un grand rock. Mais dans ce cas, autant jouer sur une française si c'est pour jouer ça. Enfin, je C'est une française en plus après C5. Donc. Et j'ai pas assez de pièces pour attaquer à l'aile roi, mais peut-être que c'est ce que je devrais essayer. J'ai hésité très longtemps. Euh, pour au final, euh, opter pour un schéma qui va me réfuter. Euh, j'ai joué Petit Rock. Et je me suis dit... Je vais tenter C4. Pas très logique, parce que j'ai joué C3 avant, plutôt. Euh... Attendez, je l'ai joué. Ah, pardon. Que je dise pas de bêtises, après KB8, petit rock, il a inclus H6. Fou H4, KD7, C4. Euh, dans cette situation, j'étais me... un peu en semi-bluff en me disant J'espère qu'il va pas me jouer C5 et qu'il va jouer C6 et que je vais pouvoir essayer de jouer sur la colonne C. Euh, bien sûr, l'idée principale, c'est que j'ai la case A6, donc dans tous les cas où il joue un peu trop vite tour C8, peut-être un échange dame A6 qui peut mettre un peu de pression. Et euh, ici, il va prendre son temps et il va malheureusement me jouer C5. Je joue tour F, C1. Il fait tour F, 8 Et là, un coup que j'ai un peu regretté. J'ai joué A4 en me disant que je vais essayer de placer A5. Mais A5 jouait sur un petit problème de structure. Malheureusement, il joue très bien. Il me fait A5 lui-même. Et quand on y regarde de plus près, ici, j'ai beaucoup réfléchi à nouveau. Ouais, je prenais beaucoup trop de temps, hein. Et euh, l'idée c'est que quand ça, ça, ces deux pions vont s'échanger, son k en C5 va être très pénible pour moi. Alors on est d'accord, à hein, moi, mon KSC4 va être aussi pénible, mais j'avais l'impression que c'était plus pénible pour moi que pour lui. Étonnant, hein, parce qu'on pourrait se dire, j'ai le fou sur case noire, il y a les pions sur case noire. Mais en fait, ces fous, ils sont loin de l'Elda, mais c'est pas si important. J'ai fini par jouer CD, cavalier prend. Ici, le coup critique c'était fou G3, mais j'avais dépensé trop de temps. Pour, euh, pour investir du temps dedans donc j'ai joué ça et j'ai fait cavalier E4 et là malheureusement sauf euh, gros mouvement dans la position ça s'oriente vers une partie euh, une partie égale il joue tour e C8 c'est pas si mal tour e C8 parce que dans les cas où il jouait tour a C8 il y a peut-être des fois des dames à 6 toujours donc il joue tour E C8 Bon, et là, je trouvais rien du tout. J'ai fini par jouer tour C4. Malheureusement, ça lui laisse peut-être même l'avantage. Il joue ça. CD. Des... Cavalier prend. Cavalier E5. Tour C2. Et on arrive dans cette position assez atypique. Où il y a 4 cavaliers euh, au centre. C'est joli. Et là, bah, j'avais plus beaucoup de temps. J'avais vraiment dépensé tout mon temps hein, pour chercher des idées. Euh, ce qui est un peu une de mes caractéristiques dernièrement que je devrais euh, régler. Alors, c'est peut-être dû au fait que, bah, pareil, hein, les torrés, je regardais ça par le passé, j'avais beaucoup d'idées par le passé. Je crois que c'est la première fois que je lui ai. Euh, non, je crois que c'est la première chose que je lui ai dite. Après la partie, je lui ai dit par, la... par le passé, j'avais vraiment beaucoup d'idées dans ces positions. Et là, j'ai rien trouvé, quoi. Enfin, il n'y a rien qui m'a plu, quoi. Et on va voir après que j'ai loupé une idée. Et Tour C2, ces c'est à lui de réfléchir s'il veut mettre la pression ou pas. Parce que si on regarde la position, on en a parlé d'ailleurs après euh, la partie. On est dans une position quasi symétrique. La seule différence, c'est qu'il a h6 et b6 en plus. Hein, comme si je faisais b3, h3. Par contre, moi, je menace d'avoir la colonne. On pensait que les noirs devaient être un peu mieux. Mais bah, il n'a rien trouvé. Il m'a joué. Kb4, tour c3, Kd5. Et moi, je ne peux plus dévier. Hein. J'ai dépensé trop de temps pour arriver ici. Et tour c2 égal. Et la partie finit nulle avec les blancs. Je passe à côté de ma chance de faire quelque chose. Donc là, le gros problème de mon tournoi, il est clair. Euh, J'arrive pas à passer avec les blancs. Euh, comme je dis, le seul problème, vraiment là où je mets beaucoup, euh, beaucoup de poids, c'est sur cette histoire d'avoir les blancs l'après-midi. Euh, je me suis même posé la question si les tournois ne devraient pas être avec un nombre de, de rondes paires pour que tout le monde ait autant les blancs que les noirs déjà, de 1. Mais en plus, oui, quand il y a un double ronde, euh, bah, j'aime bien avoir du temps de préparation avec les blancs et pas avec les noirs, quoi. Les noirs, je peux jouer mon répertoire, j'ai pas peur, tout ça. Mais avec les blancs, bah, il faut trouver une idée, quoi. Même si on joue son répertoire, euh, il y a tellement de lignes où si l'adversaire connaît, il faut trouver un endroit où l'adversaire a des, a des lacunes, quoi. Et c'est pas en 30 minutes, 45 minutes qu'on trouve ça, en général. Euh, bon, je me répète beaucoup, je vais arrêter de, de parler de ça. Voilà, une partie où je, je, je sentais qu'il y avait un manqué euh, par ici, mais je ne savais pas où. En tout cas, un manqué, une manque de créativité. C'est ce qui m'a manqué dans cette partie. Et partie de l'après-midi, voilà. Toujours partie de l'après-midi, pas terrible quoi. Alors, on va faire le bilan et je vais vous montrer ce que j'ai vu après coup que j'ai loupé. Qui est juste incroyable, c'est une idée incroyable. Et cette vidéo, du coup, sera la plus courte, je pense, du tournoi, quasiment. Donc, vous voyez une partie très précise. Bravo, euh, vous avez bien joué. 96-6, 97-4. Et c'est là le problème de ces analyses. C'est que c'est du grand n'importe quoi. <laughs> je me répète. Mais voilà, pour ceux qui aiment euh, ces analyses, c'est beau, mais c'est n'importe quoi. Et je vais vous montrer tout de suite l'idée que j'ai loupée. Euh, ah mince, je vais vous montrer quand même. Pof, pof, pof. Voilà, vous le voyez. 96 6 97 4. Vous avez joué une partie parfaite. La nulle est un score normal. Mais là où ça devrait normalement, si c'était, si on pouvait bien le programmer, ce serait ça voudrait dire, ça devrait dire, vous avez manqué une opportunité incroyable. Et, et je vais vous montrer où. Fait de base, je crois que jouer C5 est plus précis. Enfin, je ne vais pas donner toutes mes analyses ici, mais j'ai une idée pour les noirs de, de ce qu'il faut faire pour essayer de créer du jeu. Euh, voilà. Donc là, là, là peut-être des deux. Je ne sais pas si leurs deux coups étaient bons. Était bon. J'y ai pensé après la partie, mais dans certains cas, il peut peut-être jouer Cavalier E4. Donc euh, je pensais que des 2 est toujours le, le coup. Voilà. Et ici, je loupe la brillante idée qui est H4. <laughs> Premier abord, ça paraît stupide. Enfin, pas totalement stupide, parce que H4 est assez typique. Mais sur Fou A6, l'idée, vous allez voir, elle est assez somptueuse, assez fantastique. C'est de prendre... Alors, bien sûr, on a des cavaliers E5 qui seront bien meilleurs que d'habitude. Mais vous avez une idée fantastique qui est cavalier G5 ici, après échange. Et sur Fou prend, Pion prend, Dame prend, vous avez le brillant cavalier F3. Dame prend G2 et Tour H2. Dame G6 et Roi D2 c'est brillant. Et les blancs sont gagnants avec dame machin euh, tour G1. Et sur dame euh, revient ou quoi en G6 jusqu'à valer au 5. ça c'était un piège. Attendre, bien sûr, il serait pas tombé dedans parce que sur H4, on va plutôt jouer classique C5, mais ça aurait évité cet échange euh, direct. Et H4 n'est pas trop compromettant juste par rapport à, au, au, au petit rock. mais voilà, l'idée créative ça aurait été ça. Par exemple, ça, ça aurait été jouable. Et maintenant, sur les cavaliers fd 7 au moins, je peux jouer des fous d3. Parce que maintenant, si joue, euh, je sais pas prise, 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 ben, j'ai toujours des trucs comme fou h7 et je le mate. Donc c'est ça, c'est ça que j'ai manqué en fait, cette idée. Alors bien sûr, hein, ça joue, c'est des positions compliquées, euh, c'est pas si clair. Mais ça, c'est l'idée principale que j'ai manqué dans cette partie. J'ai manqué ce h4. J'ai joué fou d3. Fou c'est là la grande question c'était fou C2 ou fou B1. Bon, j'y ai, ai pas cru. Là, cavalier au 5, hein, c'était ce que je disais, c'est ce que j'ai regardé pendant une éternité. Donc en fait, la, la partie paraît sèche comme ça, mais j'ai regardé tellement d'idées pour essayer de faire fonctionner, j'ai pas réussi. Euh, oui, juste pour montrer euh, la position avec dame 2, pardon. Euh, Celle-là, donc elle donne rien. Il y a même C5 dans cette position, mais même celle-ci, euh, c'est rien du tout. Et ensuite, ta -ta -ta, avançons. Bon, J'ai joué avec c4 et c5 est le bon coup, j'imagine. Alors tour f c'est, on peut se poser la question, je suis pas sûr, mais mon idée c'était ce a4 et a4. Vous voyez, c'est une erreur. Mais je l'ai senti. Hein, quand il m'a joué à a5, me oh, enfin ça va pas du tout en fait. Alors qu'on on est motivé au début, on se dit, ouah vas-y, joue tour c8, je vais faire a5, tout ça. Même si on sait que c'est pas tout à fait bon, mais au moins ça, ça, crée une... ça pose des questions. Et quand il fait a5, il fait... bon, en fait, non, du tout. Voilà et, et là Fougé 3 était la tentative. Il me l'a dit après. Je savais mais j'avais pas de temps pour investir. Euh, enfin ça, ça doit rester compliqué bien sûr. Et là j'ai pas trouvé d'idée. Dame B5 que j'avais vu mais j'y ai pas cru. J'ai joué ça qui est triste. Voilà, Ça c'était très triste. Là même il me dit tour C1 c'est assez amusant. Mais tour C2 c'est ce qu'on a envie de jouer. Voilà et là il y a un petit plus mais c'est pas c'est pas si 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 important quoi. Voilà, c'est tout pour cette ronde 6. Donc j'arrive à 4 sur 6, de victoires et... et 4 nuls. Mon tournoi est plus ou moins terminé euh, pour ce qui est euh, des premières places. Donc un deuxième tournoi qui ressemble étrangement au Cap d'Agde et au tournoi ben, que je vous avais pas commenté parce que c'était ma reprise des Opens cet été. Là on en est à mon deuxième tournoi commenté. Donc si on prend juste les parties. Euh, des deux tournois là que j'ai commenté bon au cap d'Ag on peut dire que j'étais quand même bien malade mais j'en suis à 5 victoires et 10 euh, nuls sur 15 parties et si je prends celle de mon tournoi de de l'été où j'avais fait deux gains 7 nuls c'est pas beaucoup mieux alors beaucoup me disent c'est bien tu perds jamais mais euh, ok Il manque encore quelques victoires pour rejouer à un niveau euh, qui devrait être le mien actuellement euh, voilà, donc on est à ronde 6. On a encore un dernier shot à essayer de faire euh, 7 sur 9. Même si euh, 7 sur 9 dans ce tournoi, c'est sûr c'est euh, 5ème ou aller sur un miracle 3ème avec mon départage. Parce que, euh, en fait, il tire le départage, à savoir avant d'oeuvre, hein, pour ceux qui ne le savent pas. On tire le départage à la fin de la dernière ronde. Ce qui peut amener euh, certaines personnes à être un peu déçues. Hein, ça, on l'a vu cette année d'ailleurs. Mais en fait, vous ne savez pas ce que vous devez faire. En fait, euh, le but, c'est vraiment de gagner tout ce que vous pouvez. Parce que vous pouvez vous retrouver à 7. Enfin, à 5 ou 6 joueurs execo. Là, je crois que c'était 5 cette année ou 6. Et euh, ils tirent le départage. Au tirage au sort, vous vous retrouvez 6ème. Euh, et en plus, il n'y a pas de système hors. Donc c'est vraiment le prix à la place. Donc là, vous pouvez vraiment vous retrouver hyper mal. Euh, bon. On verra. Euh, si j'arrive à faire ce 3 sur 3. Euh, Ronde 7 le matin, à nouveau. Avec les noirs, il faut l'emporter. Je vais me préparer comme en mon habitude. Et euh, bah, je vous retrouve demain pour euh, voir cette ronde 7. Bon, j'espère que vous aurez appris un petit truc avec ce H4. Bon, j'aurais pu parler un peu plus des positions, mais je pense qu'il n'y a pas... Voilà, c'est des parties. Il n'y a pas, voilà, et pas énormément de, de choses euh, hyper intéressantes. Après, sinon, il faut très longtemps pour discuter des, des aspects très pointilleux de la position. Euh, on va voir dans la ronde 7, la ronde 7 est un peu plus... Allez, un... Un, un, un poil plus intéressant, on va dire. Et à nouveau, euh, on va voir des choses euh, instructives. Allez, je vous retrouve demain. Euh, pensez à vous abonner, à liker, à commenter aussi si ce n'est pas encore fait. Et, euh, et puis, euh, donnez votre avis aussi sur... Euh, Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire Moi, je, je crois avoir une idée sur ce que je devrais faire pour améliorer tout ça. Mais, euh, mais si vous avez une idée, un petit type de, d'expert, de, dirons-nous. Je suis preneur. Allez, on se retrouve demain pour la Ronde 7.